Bonsoir et bienvenue sur Mayotte Première pour la 4e édition du Salon de la Mode et de l'Artisanat. Durant cet événement organisé par l'association Lenga Culture, 23 stylistes originaires des quatre coins de l'océan Indien sont en compétition. Place maintenant à l'élégance et au naturel pour le Salon de la Mode 2013 à Mayotte. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est la nature et l'élégance. Ce sont des thèmes qui sont axés sur la valorisation des matières naturelles et on sait ô combien on aime la nature ici à Mayotte. Cette année, de nouveaux stylistes nous viennent du Kenya, donc c'est la grande nouveauté. Donc effectivement, l'océan Indien est bien représenté. Alors là, c'est la première partie de la soirée, c'est-à-dire le concours où les gens ont été tirés au sort. Et le jury ne sait encore pas qui, évidemment, l'ordre. Donc on vient de le dévoiler ici et il faut que les mannequins prennent leur ticket avec le numéro pour rester anonyme. Alors j'ai porté une tenue en raffia réalisée par Evelyne Couture. Alors c'était un peu stressant dans le sens où elle était assez volumineuse, donc pour les déplacements c'était pas forcément évident, mais c'était agréable dans le sens où j'avais déjà vu tout le travail qui a été fait derrière et c'est agréable de porter des tenues comme ça. Alors pour moi le premier passage a été un peu compliqué parce que comme vous voyez j'ai une robe qui n'est pas très facile à porter mais heureusement tout s'est bien passé même s'il a failli avoir un dérapage donc je ne suis pas tombée, c'est l'essentiel. Je suis un peu la femme sauvage qui sort tout droit de sa forêt et qui monte sur un podium et qui présente cette magnifique création créée par Maïsara Sujai. Merci de votre fidélité à la première. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Salon de la Mode et de l'Artisanat, 4e édition, uniquement sur Mayotte Première.